Je suis très heureux de vous retrouver ce soir et je suis accompagné de mes deux poils à gratter, Barthélémy Caucase et Alain Attéco. Au programme ce soir, des invités de luxe puisqu'on recevra le rappeur belge Roméo Elvis. Il explose tout dans les charts en ce moment. Et bien sûr, notre invité surprise qui nous racontera son histoire. Mais tout d'abord, on commence avec notre premier invité, c'est Roméo Elvis. Ah, t'es là, toi. Je suis là. Alors, Roméo Elvis, vous avez 25 ans, vous faites du rap et vous êtes belge. Alors, vous êtes venu avec votre Scrabble. Vous voulez dire les Scrabbles, j'imagine. Oui, alors, vous venez de nous parler de votre nouvel album, Morale de Luxe, la suite de Morale 2. Comment ça s'est passé un peu la confection de cet album, dites-nous. Bah, écoutez, tout simplement... Mais génial ! Ça s'est fait tout simplement. Écoutez, ça va être simple. On va écouter un extrait tout de suite de votre album. Allez, c'est parti. Ok, ok. Eh ben, c'est vraiment bien cet album. Applaudissements, c'est cool. Par contre, je sens qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à nous dire. Et ce quelqu'un, c'est Barthélémy. On vous écoute sur l'album de Roméo Elvis. Bonsoir, Roméo Elvis, est-ce que ça va? Bonsoir. J'ai écouté Champ Max, hein, dans le deuxième couplet, à 1 minute 29 environ. Vous dites précisément la phrase « Je me balade à vélo dans la ville de mon père ». Je me suis posé un petit peu la question, est-ce que c'est parce que vous avez l'impression de vivre dans l'ombre de votre père? Et je me demande aussi, est-ce que par hasard, c'est pour ça que vous faites du vélo, hein? Bah non. Bah, si. Vous êtes amateur de vélo? Si. Bah si, si, si. Non, bah non. Vous aimez le vélo? Bien sûr que si. Bah si. Ouais, vite fait. Mais d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est une petite référence. Je l'ai repéré à Yves Montand, hein, à bicyclette. Vous avez d'ailleurs un peu plagié, on peut dire que c'est un peu plagiable. Les jeunes plagiés. Non, je connais pas bien Yves Montand. Vous aimez Yves Montand? Non, je connais pas bien. Vous aimez chanter? Si, vous aimez Yves Montand. Est-ce qu'il ne nous chanterait pas à bicyclette? Une petite cover d'Yves Montand. Allez, à bicyclette! 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 Ouais! Rends la guitare! Rends la guitare! Et enfin, juste, je me permets de terminer sur l'allégorie du vélo. Un vélo, qu'est-ce que c'est, Roméo Elvis? C'est des roues, c'est un guidon, mais c'est surtout une selle avant tout. Et qu'est-ce que c'est, les selles? Eh bien, c'est de la merde. Et c'est exactement ce que je pense de votre album. Et je suis pas là pour faire la morale. Deluxe. Alain, à votre tour. Alors, vous avez peut-être des choses à nous dire sur l'album. Oui, j'ai plein de choses à dire. Moi, déjà, j'ai adoré. Ah. Oui, j'ai adoré. J'ai trouvé que l'album était profond, qu'il était éclectique, même brillant parfois. Et j'ai eu un coup de cœur. Ah, le coup de cœur d'Alain Attéco. Alors, dites-nous. Bah, j'ai adoré Des Fêtes de Famille. Vraiment, j'étais fan. Je me suis retrouvé dans ce titre. Mais, c'est Aurel San, hein, ça. Bah, j'adore Aurel San. Bah, applaudissements pour Aurel San. Alain, un autre coup de cœur sur l'album de Roméo? Oui, non, j'ai pas aimé que Des Fêtes de Famille, voilà. J'ai aussi aimé On Verra. Ah, ça c'est Nekfeu. Nekfeu, Nekfeu. J'ai aimé aussi Yeux Dise. L'Homme Pâle. L'Homme Pâle. Désaccordé. Vald. Vald, Vald. Pandi Panda. Ça c'est Chantal Goya. Eh bah, applaudissements pour Chantal Goya. D'ailleurs, Chantal, si tu nous regardes, bien sûr, on t'embrasse. Roméo, vous êtes belge. Ouais. Ça vous arrive de manger? Ouais. Eh bah, Roméo, figurez-vous qu'on a une petite surprise pour vous ce soir. C'est la surprise. Les frites. Les frites. Les frites. Les frites. Les frites. Les frites. On va accueillir maintenant notre deuxième invité. Il a fait des millions de vues sur YouTube. Il a rappé et maintenant son nouveau défi, c'est intégrer la NBA. Ivic. Alors Ivic, cette reconversion, comment ça se passe? Oui. Ivic, vous jouez à l'Élan Béarnais là depuis deux semaines au rôle de pivot. Bernard Pivot. Bernard. Et donc, Roméo, à part les bides, vous aimez le basket? Ouais, je préfère le foot quand D'accord, même. D'accord, mais ça vous dit pas de faire un petit 1 contre 1 face à Ivic? Bah non. Le non. Basket, yes. Le basket. Le basket. Le basket. Le basket. Allez. Ça, c'est Tony Parker, c'est pas moi. Et bah, applaudissements pour Tony Parker! Allez, on arrête de massacrer le nerf. On remercie Ivic qui doit aller marcher. Le dossard, tu rends le chasuble.
Bon allez, attendez, Roméo, on se redresse quand même, un peu de respect, on n'est pas en bas des blocs. Roméo, vous avez aussi une sœur qui est chanteuse. Ouais. Elle s'appelle Angel. Angèle. Ça va. Elle a récemment inondé les radios avec son titre La Loi de Murphy. Elle a ouais. fait. Alors, si je peux me permettre, elle est très forte, on aurait pu l'inviter, elle aurait été plus légitime. Oui, Angèle, oui. Permettez-moi, mais là, pour le coup, je suis plus tranché. Ah non, je suis pas fan du tout. Ah Angèle, j'aime pas. Ah non, là, son titre Drôle de question, j'ai trouvé ça bas de plafond. Pas d'âme. Drôle de question, c'est moi pour le coup. Bon, Roméo, vous devez être fier de votre sœur quand même. Bah ouais, c'est Eh cool. ben vous avez raison, voilà. Maintenant, il est temps de passer à notre invité surprise, c'est Lorenzo. Décale-toi, Roméo, s'il te plaît. Non, c'est bon, assieds-toi. C'est plaisir. Ça va, Lorenzo? Comme à la maison. Attends, excuse-moi. Non, là-bas. Là. Là-bas. Je reviens. Là-bas. Recule. Encore, assieds-toi, mets-toi à l'aise là-bas. Lorenzo, ça va? Bah écoute, à l'ancienne, tu le sais. Ok. On m'a dit que t'as été contacté par un site pornographique pour faire ton propre film porno. J'ai l'impression de faire rien de cacher, moi. Ouais, ça date de longtemps, ça c'est un truc de vieille date. J'étais là en 2018, déjà je faisais des petites cassettes amateurs, t'as vu, on était là. Ouais. Après, ils m'ont proposé un petit truc, ils m'ont fait, on va te faire de la pub sur le site, mon pote. Et puis là, t'allais voir ton petit no-port tranquille pour te seg. Et puis là, pam, grosse tête de Lolo, bibi, au-dessus ma main. Non! Après, tout allait très vite, tu vois. J'étais là, j'ai été contacté, on m'a fait, écoute, on va faire le premier no-port dans l'espace, mon pote. J'étais boum! Là, j'étais là, j'en ai la mif, j'en ai Rico, j'en ai tout le monde, on est arrivé. Et toi, on arrive dans l'espace, et là, je rencontre Zoke. Et là, il me fait, ouais, gros, il faut que tu repeuples la planète. Tu taffes, mon pote. Un vrai délire. Et puis, on avait découvert un truc, c'est que là-bas, en fait, le temps, il passait 52 fois plus vite. Et du coup, si t'allais poster une petite graine de weed, et ben en 20 minutes, c'était poussé, mon pote. T'es là, refais. Il y avait des aliens, ils avaient des sguets longs comme ça, mon pote. Oh. J'étais là dans la pesanteur, en train de faire mon bail, mon gars. Oh, masse, mon pote. Ça sort bientôt, en tout cas, on est là. Le disque, bon, Lorenzo. Voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Gros merci encore une fois à Lorenzo. Disque d'or. En moins d'un mois, disque d'or. Incroyable. Et pour ma part, disque de platine. Disque de platine pour Ivy. Roméo, disque de platine. Non. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Merci à tous. À bientôt.